Partisans, famille Lavalasio prend la rue. Il y a quelques jours là, nous t'attendons en question ancien président Jean-Bertrand Aristide, c'est lui-même qui prend le vini, nouveau président transition. C'est lui-même qui prend la tête transition, c'est lui-même qui prend le mettre. Eh bien, il y a une manifestation qui était organisée dans le sud Béyan, ok? Il y a plusieurs autres manifestations. Partisans famille Lavalasio préparé pour organiser, mais fois ça, bagay yo changé. Yo pas parlé de question de Jean-Bertrand Aristide, président transition encore, mais la nouvelle version, c'est Jean-Bertrand Aristide, gouverneur de la République d'Haïti. Qui ça me connaît le dossier ça? Eh bien, m'pralvin ba ou quelques détails, t'as le ça. Hier, Ariel Henry fait un pile moun saisi na façon le descendre sous boudon à rencontrer protecteur citoyen Renan Edouville. Et ma praplo, Renan Edouville à un certain moment, ni même avec premier ministre de facto Ariel Henry, c'est l'aide à citron yote. L'aide à citron après assassinat président Jovenel Moïse, deux moun sa yo, yo pas ka bien, yo pas ka wè l'autre face. Eh bien, Ariel descend Ariel descend dans bureau. Et Renan Edouville, protecteur citoyen, eh bien, sorti Ariel, c'est parti blasé, Renan Edouville. Eh bien, bravo, tout détail, toute information, pour qu'on ait exactement dans quel objectif Ariel Rivet fait ça. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue. Ou sur Taxi 609, sur Taïsien connecté, ou dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. C'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays. Et je dis en la week-end, l'ilancé week-end, le temps, mais déjà, m'a souhaité prendre précaution, pas boire si vous conduit, pas conduit si vous boire alcool en façon, pas protéger tête, pas protéger l'environnement, pas protéger le monde qui est à côté, etc. Et préparons là, nous prenons le pays, nous prenons le fait débat. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne. Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Dossier transition, il y a parlé là, qui fait quoi, qui fait un pile moun quoi que... Ancien président Aristide, Lavalas pour assurer transition de dans pays. Eh bien, bagay ça, li crée un paquet de division dans la classe politique là. Mbraldou, gagné ancien sénateur Moïse Jean-Charles, lui-même li prend position clairement. Li prend position par rapport avec Lavalas, li prend position par rapport avec Aristide. Et je dis on va comprendre la situation à vivre là pour Moïse Jean-Charles. Aristide n'a pas ni compétence, ni qualité, ni aptitude, ni pas rien même comme ressource pour yon ta dit, on pral Aristide, mettez-le comme président de transition pour le venir résoudre problème pays pour t'arriver faire élection. Donc, notre tête Moïse Jean-Charles, bagay sa son simagri, c'est mascarade nèg yo a fait, c'est propagande nèg yo a fait. Et là, est-ce que Moïse Jean-Charles li gen raison, est-ce que Moïse Jean-Charles gen tort? Et m'a caché dit nous. Gagne moun nan même classe politique avec Moïse Jean-Charles qui yo même qui de souche la Lavalas même genre avec Moïse Jean-Charles qui en bas tablan yo plus ouais nan Aristide yo plus ouais nan Lavalas moun qui te ka vin remplacer Ariel Henry que n'importe l'autre nèg. Et là pour montrer que même nan question politique là, même nan question l'autre son non ou non clan politique avec un nèg ou pas c'est nèg zo ka compter sur Lucas faire confiance, c'est pourtant pas vrai. Chaque nèg do se ti intérêt par y a gérer, se ti intérêt par y a défendre. Kounia comment bagay la? Puisque Moïse Jean-Charles, il y a un paquet de monde qui considère Moïse Jean-Charles leader gauche même j'ai avec Lavalas, leader gauche même j'ai avec Aristide. Toutes ces questions, yo pas dans alliance avec blanc, yo pas dans question pour blanc venir ba au dictat. Yo comprennent très mal que je dis c'est Moïse Jean-Charles qui campait en face Aristide, qui campait en face Lavalas. Il y a monde qui dit Moïse Jean-Charles avec Aristide t'as supposé mettre tête ensemble pour yo faire un faisceau pour yo camper en face communauté internationale là, pour yo camper en face blanc. Mais qui problème qui gagne aujourd'hui là que t'es Aristide, que t'es Moïse Jean-Charles, que t'es Ariel, que t'es toute l'autre. Ça n'a vivre en Haïti là, ça n'a vivre dans pays en moment ça, problème insécurité, chômage, la richesse, tout problème ça nous gagne là, c'est somme inaction. C'est
c'est calcul, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, tout nèg sa yo qui passe après Duvalier qui pas jamais arrivé bay résultat. C'est somme incompétence, c'est somme inaction, c'est ça yo pas jamais ka prend comme comme engagement qui traîne pays là, qui mette Haïti côté là. Bon dou, Aristide, combien mandat fait? Aristide fait deux mandats. Même le mandat n'est pas arrivé à terme, mais Aristide, il est élu deux fois. Il est élu deux fois. Pendant tout le temps de gouvernance Aristide, là, jodi en soi, font bilan. Bilan, c'est qui s'allie. Pendant tout le temps, moi, Jean-Charles, t'es fait comme sénateur, en soi, font bilan. Bilan, c'est qui s'allie. Jodi en là, moi, plus quoi, c'est bilan qui doit parler pour le monde. Mais c'est pas ni propagande, c'est pas ni parler en pile, c'est pas ni mettre division dans la classe politique, ni mettre division dans l'opinion publique. C'est pas ça qui prend le côté solution avec problème, yo. Et là, moun partisan, c'est partisan famille Lavalas, nous ouais semaine passée dans Okaï dans sud pays, moun yo prend la rue en quantité, y a fait manifestation, yo exige oui yo vle Aristide, oui c'est Aristide qui pour une président de transition, etc. Et déjà là Lavalas lance plusieurs grandes manifestations, yo lance plusieurs manifestations, mais ça qui attire attention, c'est le fait gros paquet de trac cap circulé, un paquet de trac cap circulé. Monsieur, dame, Lavalas, yo, partisan, sympathisan, allié, etc. Yo saute dans stade Aristide comme président de transition parce que, yon paquet, médias, yon paquet journalistes qui expliquent moun yo comment baga, qui réalité qui gagne, est-ce que je dis on ka parler de Aristide comme président de transition? Aristide vient de mandat, la constitution interdit question et plus que de mandat. Comment on va le dire, on va le mettre Aristide président de transition? Et même là, moun yo font débat, on font débat sous question, c'est transition, Aristide élu démocratique, mais Aristide était dans sa nature même un ancien président. On sait président, soit regarder liste des anciens chefs d'État, ou après Aristide en première fois 90, ou après Aristide encore dans les années 2001, 2000, ou pral vin comprendre que Aristide ou pas mettre la troisième fois comme président de transition, parce que qui ont été élus à travers les yeux, nous t'es participé dans l'élection, t'es gagné l'élection ou président, que son président de transition y est ou c'est président. Donc, deux bagages à eux. C'est même bagaille là, président pour président, ou pas qu'un président plus que deux fois. Donc, on y a comme yon, ouais, question, président transition, le pas passé, tout le monde est clair, tout le monde est direct, correct sur la transition, et on vient avec une nouvelle formule là, Jean-Bertrand Aristide, dans Trapio, on s'est confirmé l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, victime de deux coups d'État, 91-2004, eh bien, vient d'être nommé gouverneur d'Haïti par la représentante spéciale des Nations Unies en Haïti, en l'occurrence Hélène Miguel Lalim et le Congo, composé d'ambassades étrangères selon une note de la structure. Comment vous voulez nous comprendre notre note ça, mais vous avez fait circuler. Pour me parler, mon famille Lavalasio, vous avez montré yo patriotique, c'est des moun qui croient dans et l'ordre démocratique, c'est des moun qui croient dans élection, yo pa nan kole serré avec blanc, Aristide toujours dénoncer communauté internationale là, ingérence politique, communauté internationale là fait surtout États-Unis. Donc yo toujours fait promotion faut Haïti prend distance, il faut gouvernement qui là, faut qu'il prend distance avec influence communauté internationale là. Mais là on fait ça yo passer. On fait toute tractation ça pour dire que yo nommé, qui est-ce qui nommé Aristide, madame Lalim, avec un groupe, mes amis. N'a pas dénoncé, en 91, nous dénoncé, 2004, n'a pas dénoncé, après 2004, jusqu'à ce Jovenel Moïse, n'a pas dénoncé, puis je dis, pour nous avoir accepté, madame Lalim mettait Aristide comme gouverneur de la République d'Haïti. Et nous comprenons, et ça qui doit là, mettait date d'investiture Aristide là dans notre clan. Yo dit que Aristide 15 juillet qu'a venu là 15 juillet 2022 et 15 juillet m'a rappelé m'quoi c'est fait tout c'est fait Aristide 15 juillet donc comme cadeau madame Lalim a fait investiture et a mettre comme gouverneur de la République. Moi pour moi personnellement c'est une très mauvaise blague. C'est une très mauvaise blague parce que est-ce que comme le c'est Corbeau c'est Binu qui a fait affaire pas jamais demandé peuple haïtien yo pas demandé société yo pas demandé population en valeur yo pas demandé nous si nous d'accord si nous pas d'accord parce que on regarde après assassinat président Jovenel Moïse qui ça t'a gagné ou t'a gagné ancien premier ministre Joseph qui était là et puis un petit temps après yo dou hey place ou pas là yo mettez en riel. Donc c'est yo même qui décide et là y'a décidé yo décide ça yo déjà au plutôt mais kounyen là. On nous songe, même groupe 184 qui t'a existé en 2004, qui
qui te pousse de Jean-Bertrand Aristide d'aller, qui te corre manifestation étudiant, mouvement protestation étudiant, ou ta fait, mouvement protestation société civile, ou ta fait, pour yon dit, aba insécurité que te gen en 2004, aba violence, aba kidnapping. Ah oui, aba mauvaise gouvernance que famille Lavalas ta fait. Eh bien, je dis à la même le question groupe 184 là, li pa existe dans même nom, mais moun yon toujours là. Même groupe yon toujours là, même moun yon toujours là, même structure yon toujours là. Est-ce que jodi an ou pral dim de 2004 à 2022, est-ce que jodi an ou pense que moun sa ou nou rele oligok yo, moun sa ou dans le tokte groupe 184, est-ce que pense yon pral accepter on retour à la case départ avec même Lavalas, même Jean-Bertrand Aristide là, nous pense ça? Nous quoi dans ça? Est-ce que nous quoi ça? Est-ce que jodi an là oligok yo moun apre le oligak kompyo, est-ce que je dis, hein, yo tap di Aristide, bienvenue, Aristide, welcome, bienvenue, retourne dans la base. Nous pensez yon parler tout ça? En tout cas, comme m'a senti militant, sympathisant, et famille Lavalas, yon sorte de bulbe, ça est comme si c'est un rêve yon, yon pou kouvre le réveiller, mais réalité en se sou béton, li réalité en la insécurité, yon, kidnapping yon. Pas qu'à manger, pas qu'à sauter, pas qu'à travailler, tout ça yo, son réalité yo, yo pas virtuel, yo réel. Jodi an la fok moun yo commence à réveiller, bay de tap, parce que nous pas qu'à arrêter là, nous rêve, nan prévé, et puis nous kembe population, nous kembe peuple, nan même ignorance ça, nous voulons faire moun yo quoi, faire moun yo, et valer n'importe bagay, comme quoi, Aristide sauti dans stade. Et président de transition désigné qu'on est arrivé dans le stade gouverneur de la République d'Haïti. En tout cas, dossier Aristide dans son dossier qui particulier et son dossier nous nèg yo a utilisé là pour détourner opinion publique là pour détourner attention moun yo sur vrai problème yo parce que là nous pas gros problème de transition, nous pas gros problème de gouverneur, nous seulement gros problème d'insécurité, de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance en dedans pays avec Ariel Henry. Bra di nou bagaille. Moi-même, personnellement, je connais l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, son monde qui est intelligent. Mais pour nous, est-ce que il y a assez clairvoyance? Est-ce que Aristide, est-ce que Maryse Narcisse, est-ce que Mounsao qui est influent dedans le groupe Lavalas, est-ce que j'ai au calé assez pour y avoir que madame Lalime a utilisé formule Lavalas comme on peut le passer? Parce que qui ça? Mission binu, mission madame la lune, c'est arriver renforcer stabilité politique là et garder par qui mesure yo ka permettre bonne gouvernance pour Haïti vin tout non véritable état de droit. Pour Haïti bon environnement stable, bon environnement paisible côté chaque haïtien ka vivre tant que monde, ka vivre en sécurité. Mais gen bien longtemps madame la lune échoué, gen bien longtemps ap gade la, binu échoué, mais ça pas empêcher que Conseil de sécurité des Nations Unies, yo continue à renouveler mandat madame Lalime. Eh bien, je dis là, madame Lalime, mandat binu, gen pou rive à terme. Nan juye kap vini là. Pour madame Lalime, te al présenter rapport li. Pour madame Lalime, te montre que li tap travay, li te bon bagay li tap fè en Haïti ki utile. Li te bon bagay li tap fè nan classe politique la ki utile. Li profite rencontrer avec différents acteurs politiques, différents regroupements politiques. Et dernier zèl kat lan nan men ki es li, parce que yo konnen fami Lavalas, se youn nan structure politique ki toujou mete l apa, ki pa jam nan fè, moun gade pouwe. Akòm moun tan nan fèt, kote Aristide, kote Lavalas, de yo. Accord en septembre primature fait côté Aristide côté Lavalas dehors. Donc là ou ka di Lavalas a lui même seul li constitue en opposition politique parce que li pa na fè moun. Même l'entendé gen différents groupes opposants politiques ka parler gen Montana Pen ka parler matin midi soir ou fait élection depuis en janvier. Yo pa jam ka fè installation, pa jam ka fè investiture, mais ça pas empêché que pour l'international, pour communauté internationale, et en Haïti, là, pour un paquet de monde, pour un paquet de partisans, sympathisants, famille Lavalas toujours gagne poids, famille Lavalas toujours bon poids dans le balancement. Pour n'y a qui ça vient arriver. Comme fait mandat privé, etc., au moins, faut madame Lalime montrer bon volonté. Li gen le vouloir pour le chita avec différents groupes, yo chercher un dialogue inter-haïtien, chercher un dialogue politique qui ka ba un résultat. Et jodi an la, madame Lalime pa fè l'autre bagaille,
que créer une certaine divergence dans l'opinion publique là. Chaque monde gagne idée, chaque monde gagne proposition, chaque monde comprend une proposition pour Aristide Davin président provisoire là en Jean. Chaque monde gagne idée, chaque monde gagne opinion et par rapport avec toute bagaille ça, gagne deux bagailles. Gagne deux bagailles maintenant de tout tolé qu'a fait soir, c'est gagne deux bagailles. Madame Alim, non Madame Alim dans bouche tout le monde. Donc Madame Alim lui reprend popularité. Depuis après assassinat et ancien président et Jovenel, ou senti popularité, binu popularité, quoi, ou baye sa krasé plate. Parce que, aussitôt, si on parle de ou dit son seul bagay, yon participe dans tout yon président Jovenel Moïse. Ja, c'est fini. Mais jodi, le fait que, ou tande, on parle de binu, on parle de Madame Alim, on parle de Korgou, comme moun qui a cherché une sortie de crise, entre guillemets, comme moun qui fait proposition avec Lavalas, avec Aristide, pour venir chercher une stabilité, une sortie de crise. Donc là, dans la communauté internationale, la vérité ou mensonge, dans le peuple haïtien, vérité ou mensonge, gagner une certaine proximité, gros bagay, y a cherché, gros bagay, y a besoin de jouer, c'est dans mes Lavalas, y a mette dans la tête, y a joué. Eh bien, qui s'accrive? Pendant la valache qu'on fait surface, là, gros paquet cadavre politique qui était lié avec même structure la valache. Ou pas de jambes de parler de yo, ou pas de jambes de citer non yo comme politicien, comme ancien sénateur, ancien député. Jodi en la, tout le monde sa, tout nèg sa, ap chèche refaire surface pour qui ça? Parce que c'est de la valache de souche yo, yo style la valache. Donc pendant la valache qu'on fait surface, la valache réexiste là, eh bien, nèg sa yo, yo réexiste. Eh bien, il y a un gros incident qui passe. Un gros incident qui passe entre ancien sénateur et Jean-Baptiste Bien-Aimé avec un policier polyfront sous frontière là, dans le droit haïtien. Parce que Mabdou, moi-même, l'homme de l'information, il faut me prendre deux son cloche. Il faut me donner deux parties yo, avant moi-même ma position. Ou pas qu'attendre youn, et puis pour dire ou pral voye monter sous sa youn dou. Ou pas qu'attendre l'autre pour dire ou pral voye monter sous sa l'autre là dou. Faut attendre tous deux pour équilibrer son gagne comme information, là ou même ou pral relayer information, ou pral partager information, pour qu'avoir une information qui vérifie, une information qui fiable. Mais qui s'acrive? Première son cloche, on m'rive parler avec yon sécurité et ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Li même li gagne opinion sur ça qui passe. Li fait connaître que c'est pendant et sénateur li a sorti République Dominicaine et puis 5h te gata passé. Faut moi dis nous à 5h douane fermée, à 5h frontière fermée, barrière fermée, ni bon côté République Dominicaine ni bon côté Haïti. Kounye a qui ça privé? Comme ancien sénateur, il est tout à fait rentré sortir en République dominicaine, sûrement il a de très bonnes relations avec les gars dominicains etc. Kounye a des zones qui fait pas bon côté frontière dominicaine, hein, yo ouvri portail, yo ouvri barrière, yo bay et sénateur bien-aimé rentré. OK, sénateur malgré 5 heures il rentré. Kounya là il rentré, étant donné dans bois Haïti a ou pas rien droit sorti à machine depuis 5 heures arrivé, kounya sénateur bien-aimé lui-même li estimé faut qu'il sorti à machine ni bagay puis soit des altercations, gros parler en pile, fait gros escombrit et puis c'est quoi ça sénateur t'a pas le recevoir un parasol entre le ouais et le tendé. Sénateur recevoir un slap, un gros soufflette qui t'a pral secouer qui t'a pral presque fait sénateur bien-aimé indisposé. Il n'est pas bien disposé, faut qu'on dise ça. Mais kounye, son cloche qui baille par mon côté et responsable polyfront là, yon nan responsable polyfront, yon te arrivé communiquer avec, yon gen information, yon baille yon même. Qui ça krive? Sénateur bien-aimé, c'est yon nan ancien chef, c'est yon nan nèg qui pi des ordres dans le département. Des ordres dans qui sens? Parce que li utilise statut gen comme ancien sénateur. C'est ça, yon ban moi comme information pour le faire tout vieux acte. Fait tout vieux acte rentrer sorti sous frontière là. Pas de question et pas de l'autre sénateur. D'ailleurs, lui-même avec la police, c'est l'état citoyen. Empêcher policiers de faire travail. Depuis ce travail, fou yon fait. Depuis ce travail, côté que t'as supposé respecter mesures, respecter limite tout. Pour, si vous pour fouiller machine, la utilise statut ancien sénateur ou pas immunité ou pas sénateur en fonction. Sénateur a baye policier pour lui faire problème dans le département, a baye problème sous frontière. Kounye a qui ça privé? Kounye a. Comme le a te gen tan rive,
comme nèg dominicain yo te ouvri barrière bay sénateur bien-aimé rentré kounye en policier pour li font ki nan altercation avec là li même li dit que sénateur a pas rentré kounye a bien-aimé qui senti l'estomaqué li descend avec machine li ou pas qui est c'est sénateur bien-aimé bay ça quoi dit sénateur ancien sénateur kounye a dit m'pa konnen bay ça yo et puis policier pour li font le dit dès qu'il a kiel le sénateur a parlé là c'est travail il a fait depuis 5 heures arrivé pas une question nèg a sorti à machine nan douane nan sans nèg yo pa bay sénateur bien-aimé autorisation pour le descendre. Sénateur a estimé la descente machine. Descend, et puis s'entendez, la parole commence à dire, vieux propos commence à dire. Et puis, c'est dans le même optique, tout sénateur après le recevoir sa boa. Il va le recevoir en sabon soufflette entre le roi et le tendé. Donc, c'est ça qui t'est passé. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que, aujourd'hui, là, il y a un ensemble de bagailles qui a passé. Il y a un ensemble de nègres qui a fait politique. Yo utilise, soit yo utilise statut ancien parlementaire ou te gen, soit yo utilise relation yo gen avec gouvernement, avec pouvoir, soit tout, le fait que yo konnen jodi an la, sénateur bien-aimé, son Lavalasien rouge, son Lavalas rouge, pa ki moun ki pa konnen, et sénateur bien-aimé, c'est Lavalas. Ou n'y a comme sénateur, ça y est réflexion, comme li tende Lavalas pral retourner sous pouvoir. Comme l'étendé Aristide Bralgain, soit pour le président, mais pour le gouverneur, bon, qu'on y a tout zèle ouvri, c'est pire, c'est pire mal. Eh ben, c'est comme ça, il vient à pouvoir, col, et puis, soudain, il est arrivé. N'importe quoi, il est arrivé. Sénateur a été qu'à mourir, policier a été qu'à mourir, l'autre monde dans la population a été qu'à victime, parce que bon, policier a ligé des armes légales, non, mais les armes qui pile légales, non, mais policier en lié. Mais est-ce qu'on pense là, sécurité, ça, qui était avec sénateur bien-aimé, ou pas de gain d'armes, ou tout? Donc, est-ce qu'on comprend? Si ça, si le pinois, si c'est l'autre côté, si pas de moun là, ou qui connache qui te ka gagné, ou qui problème qui te ka gagné dans Wanamet, qui problème qui te ka gagné sous frontière, dans Douane, etc. Jodi an la, ou des autres pas bon côté ancien officiel de l'État sa yo. Ou pas sénateur pas vin utiliser statut, ou pas sénateur encore. Ou pas sénateur, ou pas gagné immunité, ou pas gagné grade, ou pas gagné rien, pas gagné moun qui pral vinre l'honorable. Dernier bagage, m'a dit dans le dossier sénateur bien aimé ça, c'est que jodi an la, nous devons tirer une leçon. Leçon de qui ça? Ou est-ce qui dérive qui gagne dans le pays? Hein? Problème de sécurité. Hein? Je dis à parler de officiel, parler de autorité de l'État, c'est même je t'ai dit gang, c'est même je t'ai dit zoti la pli, c'est même je t'ai fait référence à n'importe chef gang, chef bandit. Parce que autorité, yo, nous comptons qui travaille à régler, nous comptons qui manigette, nous comptons qui concorde qui relation de proximité yo gen avec bandit. Donc, si nous pas qu'à fouiller machine des officiels de l'État parce que vous bénéficiez de immunité, ou pas qu'à fouiller machine en sénateur là, alors que sénateur on a trafic d'armes, sénateur on a cocaïne, sénateur on a tout mauvais deal. Donc là, jouez un ancien officiel qui a proposé officiel, qui a proposé style officiel, style chef. C'est normal non seulement pour fouiller machine, c'est normal non seulement pour fouiller de la tête aux pieds, mais tout. En tant que policier, faut qu'on assure ou bon l'autre moun, bon l'autre frère d'amour, qui assure yo, qui bon téléphone nan men, qui filme, qui fait vidéo, pour qui ça? Parce que nèg yo ate a yo danger. Nèg yo ate a yo danger. Et m'a dou ça, ancien sénateur Jean-Baptiste Ordande, ancien sénateur bien-aimé, ça, le parti garçon, le parti moun nan département, le parti moun nan ville. Donc, policier ça qui souffle tel là, li gen tout intérêt à assurer yo, li gen tout intérêt pour le mettre la couverture parce que vle pas, se nèg yo pas privé sou li. Ou pensez que vous pas faire plan priorité sur lui. En tout cas, je dis là, je pense que les Parisiens ta font, ta soulevé un vrai débat dans la société. Est-ce que Jean-Pierre Yab de Gringole là, j'ai une sécurité là, j'ai un sénateur, député, officiel, toutes ces bandits, toutes ces gangs en veste, toutes ces gangs en billet, est-ce que je dis là, il y a une nécessité pour nous toujours dans la question immunité, immunité parlementaire, immunité ceci, immunité pour intel. Non! Moi, pense que seul monde peut-être qui mérite pour ta style qui est immunité, seulement président pays, au président de la République, on bénéficie d'immunité parce que faut qu'on protège le président, faut qu'on protège le premier citoyen pays, mais après ça, question sénateur qui a immunité. Mais nous, donnez qui travaille sénateur à faire dans le pays. Pour élection, il y a des amis distribués, après élection, c'est chef de gang. Donc, je dis à la nègre, machine officielle, machine qui a gagné,
yo utiliser pour yo mettre plus problème, plus de sécurité, favoriser gang, favoriser bandi. C'est pas la première fois nous entendons des députés, sénateurs passer zam pour bandi, à bay bandi machine, à voyer chauffeur al prend bandi. Sot non point A, non point B. Et ça pi loin là, le plus souvent qui est-ce qui chauffeur yo? Le plus souvent c'est des policiers qui chauffeur yo, c'est des policiers qui n'ont garde rapproché yo. Quand y a policier ça, pas gen l'autre option pour lui ou tout ça policier à rentrer dans gang. C'est un véritable problème lié pour le pays. Donc là, nous alerter population, nous alerter policiers tout. Donc chaque monde, que chaque monde prend responsabilité yo, que chaque monde assume responsabilité yo. Et agent frontalier tout. Policier polifront yo. Nèg ki nan douane yo, jodi an la, c'est responsabilité nous pour nous fouiller par les questions anciens officiels. Si nèg la c'est officiel, li m pa vo al violer immunité nèg la. M pa vo al créer problème, al créer drama. Non, li sont officiels, li moto son sénateur en fonction distire qui rete la la yo. Donc ils sont café bon nèg yo gen immunité vrai. A moins que ta kembe on la met dans le sac. A moins que ta wè, y a fouré zam nan machine yo, y a fouré cocaïne nan machine yo là, c'est flagrant délit. Mais autrement, pas qu'à faire, non. Mais pas les questions anciens sénateurs, anciens députés, anciens ministres, non. Trop dérivés de dans le pays. On nous prend typiquement les gars, on a pour retourner avec dossier premier ministre Ariel Henry qui blase Renan Edouville. Gebon, c'est une formulation qui fait à partir de 13 plantes médicinales qui gagne pour nourrir corps, réparer cellulou, augmenter énergie physique et mentale, compenser carence en nutriments, liquéfier sang, pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme. Bi principal li c'est produit hormone testostérone qui pral augmenter libido et qui pral augmenter désir sexuel. Genzouti c'est une crème qui formulé à partir de produits naturels. Objectif lui c'est augmenter élasticité dans tissu spongé pénis là qui c'est peau pénis là et en même temps li gen pour nettoyer corps caverné pénis là qui c'est veine pénis là. C'est tout des actions ça yo qui pral permettre les pénis là en érection, li pral ka recevoir plus sang et puis li pral détirer dans longueur ak nan large. Bon. Ariel, définitivement, Ariel, moi, c'est comédie la fait. Ariel, c'est pas un petit comique qui l'a pris. Hier, Ariel, il est allé dans le local OPCA, Office Protection Citoyen. Et c'est là, Renan Edouville, protecteur citoyen, premier monde qui a défendu le monde dans le pays. C'est là le cantonné, c'est là le réfugié. C'est là le fait basé. Nous connaissons, depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, moi, dis-nous, protecteur citoyen, on a eu ville avec Ariel Henry, c'est l'état citoyen. Parce qu'à plusieurs reprises, OPC sorti note, il sorti rapport, il a demandé pour Ariel démissionner, il a demandé pour la justice prendre disposition contre Ariel Henry, pour Ariel Henry mettre à la disposition la justice pour la répondre à une question, parce que Ariel impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. On a eu ville font paquet d'accusations sur Ariel Henry. Depuis l'instant, tout le monde senti et qui tension qui gagne entre deux mouns, qui tension qui gagne entre OPC, qui sont institutions étatiques ou institutions de l'État, avec la primature, avec Ariel Henry. Eh bien, hier, Ariel décide pour la faire un petit coup de pied sous boudon à rencontrer Renan Edouville. Ce qui est étonnant. Étonnant parce que, et moi-même, t'ai pensé Ariel, malgré que Renan Edouville li gon mandat, oui, li gon duré, oui. M'te pense, ou konne, c'est des magog, j'ai Ariel Henry. Fem pense Ariel Henry, t'as pral di, bon, comment manke m'de gars, ma prévoko, m'vo wale, etc. Mais Ariel, pa fel, et bon, sak pou moun nan bali li. M'en comprenne, sak pou moun nan comme kredou bali li, pat fel li. Peut-être OPC, c'est une institution là qui protège plus ou moins. Eh bien, lier Ariel se rencontre et protecteur citoyen. Ariel, tout ça le fin dit, pas bon côté Renan Edouville dans la prise de parole, dans le discours de circonstance, c'est à bail, côté que, faut OPC et mettez à la disposition la primature pour le travail de concert, pour le travail ensemble, contre gang, contre médias, yo kap bay chef bandi parler, kap bay chef gang parler. Ah, Ariel fâché, oui, tout le monde qui va éviter l'homme parler, yo. Hier, Ariel parlait, je vais le fâcher, parce que l'estime, jodi en média yo participé nan mete plus insécurité en dedans pays ya. Média yo participé nan mete plus dérive nan mitan société, nan affaibli la police, nan affaibli la justice, quelle justice, ma justice qui gen là. Parce que yo a fait propagande pour bandi, yo a fait propagande pour gang, c'est yo même qui a bay gang, qui a bay bandi
et canal pour yo faire non seulement passer message yo gagner alerte yo gagner ou bien action yo pral faire dans mitan population mais tout yo bay bandi yo canal pour yo faire comme si pour yo reconnaître ça yo fait comme crime pour yo reconnaître ça yo fait comme malhonnête sous population donc comprendre non seulement média bay bandi parler pour yo annoncer yo pral faire dérive yo pral faire massacre sous peuple mais tout yo bay bandi yo parler pour bandi yo vinn confirmer pour bandi yo vinn comment dire comment on dit bagarre là et pour bandi yo vinn reconnaître action pour bandi yo vinn revendiquer ça yo fait et comme malhonnête dans mitan population mais quand bagarre là pi mal ou dans les deux parties on fin faire bel petit discours dedans au PC a on fin faire bon petit discours nèg serré la main et puis Ariel koul kite au PC le bra le font tweet Ariel dit dans tweet ça le gouvernement coupe sur l'OPC en tant qu'institution d'État pour apporter sa contribution désintéressée à ce combat national pour la réconciliation et la reconstruction. Est-ce qu'on va y clair? Le gouvernement compte sur l'OPC, pas de problème. OK? En tant qu'institution d'État, OPC sont institution de l'État lié. Constitution li consacre anti-section même sous protecteur citoyen sous OPC comment yo choisir comment le corps qui dure mandat etc. pour le porter contribution en contribution désintéressée ça veut dire tout tractation ou dans Edouville t'a fait tout li t'a sorti note li t'a sorti rapport pour Ariel Henry Ariel maintenant tête c'est tractation c'est maniguette c'est bluff, c'est un style René Douville t'a fait parce que le senti après assassinat président Jovenel Moïse, René Douville t'a voulait faire institution tourner comme si en institution et non seulement la justice, mais en institution qui apparente n'en fait au minimum de propagande politique. Bah on peut dire au maximum de propagande parce que constitution non seulement il fait de protecteur citoyen et un monde qui neutre parce que ou c'est protecteur citoyen pas interrogé pour dans la politique ou là pour défendre intérêt chaque grain citoyen ou là pour défendre droit chaque grain citoyen ou pas de rentrer dans cause politique mais le René Edouville te vinn prend position par rapport avec assassinat président Jovenel Moïse nèg yo te bon tendance pour yo ramener René Edouville dans même groupe et parce que après assassinat Jovenel Moïse gon groupe nèg yo te non seulement idéologie mais gon groupe nèg qui te réuni tête yo dou c'est Jovenelistes yo nèg yo te gen tendance pour yo ramener René Edouville dans clan Jovenelistes donc là on te min senti un minimum d'effet de sensation politique qui te gagne en dedans OPC. Alors qu'on y a l'heure, il dit l'acte contribution OPC, l'acte contribution René Edouville de manière désintéressée. Non seulement, il n'y a pas attendre que René Edouville vienne demander, comme si pour mes dos, faut en retour pour mon bagage. Là, tout dit René Edouville, m'bagage et m'abbao, fait job, fait travail comme protecteur du citoyen. Livre un message clair par René Edouville. Donc, dans le jour qui vient là, moi-même, je ne connais pas qui réaction René Edouville va gagner. Parce que dans tout sujet de dialogue qui est gagné, dans tout ce qui a parlé qui est gagné, nous avons fait de l'élection priorité. Nous avons fait de stabilité priorité. Nous avons fait de sécurité priorité. Mais je dis là, est-ce que nous avons parlé de ça yo prioritaire pour Ariel Henry pendant que moun peigne pas ka vivre tranquille avec et entrepreneur vite l'homme et allié moun kwale bouke pas ka vivre tranquille avec chef 400 maozo la mois 100 jours moun centre-ville moun matisse pas ka vivre avec Izo et sa bande moun grand ravine pas ka vivre moun tibo pas ka vivre par un côté ou à l'abri dans capitale pays et ça vient pire dans kounya on regarde des séries de zones dans ville de province des séries de départements des séries de départements en dedans pays qui commencent à gangsteriser avant-hier c'est très malheureux information rive jeune moi dans ti rivière et soi-disant il y a une tentative d'assassinat qui fait sous un chef gang zone et puis partisans lui ont débarqué dans au boy partisans lui ont débarqué dans passe comment ils ont passé pas zone ici n'a pas zone ici ils ont débarqué avec gros armes françois ils ont débarqué avec manchette moun pas bouger
Yo ouvert bal sous population civile et parmi yo bon professeur l'école qui pote non sadra qui perdu la ville. Un professeur l'école, un jeune garçon qui a formé tout le monde, qui a formé génération future dans le pays. Bandi yo décidé yo éliminer la ville parce que yo pas connu comment chef gang nan fait et manqué mourir, comment tentative assassinat fait tout chef gang nan. Donc yo estimé c'est moun sa yo qui gen cerveau. C'est moun sa yo qui a réfléchi, c'est eux même qui a monté un complot comme ça. Directeur l'école a perdu la ville, bon l'autre citoyen dans ti rivière qui perdu la ville. Donc pour qu'on y a pas contre qui évolution qui gagne, pas contre est-ce que la police rive déloger nèg sa, pas contre qui ça passé. Non c'est lui du nord, gè chef gang qui a fait même bagay yo, Jacques Mel bandi, tout côté presque tout côté passé qu'on y a nèg yo, yo a gangsterisé nèg yo a bay zam. Donc seulement Miragouane là commissaire Muscadet fait tout le cimetière. Qui est-ce qui va t'aimer gagner la paix, gagner tranquillité avec gang avec bandit? Tout le monde. Tout le monde. C'est ça que faut, ouais. Chaque département, chaque juridiction, moun yon a mandé au baron commissaire Muscadet. Je dis à la zouta di moun Miragouane, ou après retirer Muscadet, ou après le voyer de l'autre côté, moun Miragouane a dit jamais! Jamais, mon cher. Parce que je dis à nous besoin de résoudre le problème de sécurité. Mandé au PC pour l'aide et nan gérer question gang, nan gérer question banditisme. Est-ce que c'est le rôle au PC? Est-ce que c'est responsabilité ou nan Edouville? En tant que citoyen, chaque monde qui a contribué t'emporter solution avec problème gang, problème de sécurité, c'est bienvenu. C'est positif, c'est bon, c'est concret. Mais kounyen, est-ce que y a volonté vraiment par vos côtés, soi-disant autorité entre guillemets, pour résoudre le problème de sécurité, hein, pour faire élection, pour jouer une entente politique? Est-ce que nous avons Ariel Henry sous ligne Zalbrali? Est-ce que nous avons Ariel Henry sous voie Zalbrali? Entre temps, pas rien qui change entre Ariel Henry avec Ronan Edouville OPC. Et monsieur, à partir de tweet ça, à côté que Ariel mande pour OPC, pour Ronan Edouville aider de manière désintéressée, non seulement ou montre que vous pas respecté protecteur citoyen, ou montre que vous pas respecté institution OPC, ou montre que vous avez une véritable rivalité en ou même avec Ronan Edouville, et comme si nous voulons. Comme si nous voulons, nèg sa yo pa vin pour la paix. Moun sa yo vraiment, yo pa vin pour la paix. Et on va comprendre que, on va comprendre, si Ariel Henry te gon volonté vraiment pour résoudre le problème de sécurité, yo ta fèl. Pour qui sa jodi, yo plus kwè nan sa bididi, yo plus kwè nan sa corps group di, ki interdit que, yo interdit pour yo bay FADH matériel. Yo interdit pour yo armer l'armée. Yo interdit pour l'armée joindre matériel, pour l'armée joindre chablende, pour l'armée joindre tank, pour l'armée joindre tout bagay qui te ka aide nous gérer question insécurité, gérer question gang. Même la police, oui, pour nèg acheter matériel la policier, yo s'en barre dit. Et yo mette interdiction, yo dou l'armée pas droit de matériel. Je dis pour qui ça? Pour qui ça gen l'armée? L'armée pas droit de matériel. Pour qui ça ti monsieur ça là? Pour qui ça monsieur dame ça là? Est-ce qu'on comprend? Je veux dire, est-ce que c'est un lever de fond qui pour faire pas beaucoup de population pour dire que nous parions pour nous armer la main nous parions pour nous aider FADH ou bien nous dit peuple haïtien ok définitivement c'est seule la police qui gagne comme corps de notre pays. Question la main, nous ne parlons pas. Alors, est-ce que c'est dans la constitution? Est-ce que nous comprenons? Li nan constitution. Voilà. Pendant nous même nous fait corps et nous fait djè ici, pendant tout ça États-Unis dit nous fait à la lettre, tout ça corps ou bini dit nous fait à la lettre, la caillou. Malgré toute fusillade ou tant de questions zam, lobby zam ka fait, eh bien, qui soit ouais. Regardez là. N'a regardé ou tout bagay sa ou, tout tractation nèg yo fait là. Yo prend prétexte yo vle rétablir sécurité en dedans pays. C'est temps de m'tande gen des millions de dollars yel décaissé pour acheter matériel pour la police. Jusqu'à présent m'a tande matériel vini m bon jam ka point tête matériel yo. Moi même fait des recherches, m'a regardé des séries de chablende. Entre 150 000 dollars à 300 000 dollars américains. 150 000 jusqu'à 300 000 dollars américains. Alors que nèg yo jeune l'argent pour yo gagoter, nèg yo jeune l'argent pour yo gaspiller, mais yo pas vle équiper ni la police, yo pas vle équiper ni l'armée. 150 000 dollars oui, pour quantité l'argent nèg yo a détourné ça, ni pas même mon caca ran non. Ni pas même mon caca ou ti monnaie piche non si vraiment nèg yo té vle aider résoudre problème insécurité, nèg yo té vle résoudre problème gang dans pays ya. Avec ce mot dit chat comme ça, la police te gen bay nan, mais la mette gen bay nan, mais la, pour résoudre le problème de sécurité, pour résoudre le fléau de gang qui a terrorisé la population, ou regarder l'équipement, ou regarder la vidéo de démonstration qu'a fait. Je regarde la démonstration qu'a fait. Moi-même, franchement, je connais est-ce que le peuple haïtien pral décider à un certain moment pour prendre responsabilité, pour dire.
l'armée d'Haïti, l'armée a déjà là. Si c'est eux-mêmes qui pour contribuer pour acheter 2, 3, 4, 5 chablendes pour faire ça des HKDO, pas de monde qui a empêché. Pas de monde qui a empêché. On va passer dans les couloirs légaux. On va mettre un responsable dans la police, on va prendre responsabilité. Si vraiment vous voulez résoudre le problème de sécurité, on va mettre un problème de sécurité. Si la population, la diaspora, a dit qu'on va contribuer, il n'y a pas cher à mettre l'argent ensemble pour acheter 5 chablendes, on va refuser. Nous allons refuser comme autorité, comme officiel, nous allons refuser. Donc, si nous refusons, c'est que définitivement, là, nous avons tout le peuple a bien toute raison pour dire oui, nous avons une relation à gang, nous sommes chefs gang, c'est nous-mêmes qui avons alimenté l'insécurité en dedans pays. Je dis en plus que jamais, nous avons besoin de support. PNH a besoin de support, FADH a besoin de support, policiers ont besoin de support moral, constate que les policiers ont besoin de quoi pour vivre paisiblement la caillou. Vous comprenez? Risque en pile. Si risque en pile, donc je dis à la policière qui n'a la recaprisque ville, lui suppose qu'à récompenser. Petit coulier lui suppose qu'à récompenser. Récompense policière son coup de bâton lié. Récompense policière, c'est jouer un sénateur tant que bien aimé qui vient monter sous lui à cheval et puis qui pense qu'il a fait le perdu job, qui pense qu'il a fait transférer, etc. Manque de gars. Non! Je dis à la bataille qui pouvait faire cette bataille pour mettre recamper institution. Gardez ça qui passe là aux États-Unis. Aux États-Unis, son loi constitutionnelle américaine a gagné pour porter des armes. Après, quand il y a des fusillades qui finissent faites, quand il y a des gens qui mourent en babal et soi-disant, des gens qui sont instables, de série de délégués choisis à l'école primaire, ou verbal, tout le monde qui s'accrivait. Ils ont demandé pour qu'on certaines restrictions dans la question port d'armes aux États-Unis. Eh bien, le Cour suprême n'a pas décidé. Il décide que les Américains, son loi constitutionnelle a gagné pour porter des armes. Si son droit constitutionnel li gagné, pas gagné ni la présidence, pas gagné aucun monde qui ka retire droit ça dans métier américain. Donc je dis en là et puis la caille nous c'est même États-Unis ça. C'est même yo même qui vinn ba nous dicter, c'est eux même qui vinn dicter nous, FADH pas doit gagner matériel, la police doit gagner matériel, mais faut matériel yo limité, faut matériel yo c'est ça yo voulez, ça yo décider pour ba nous. Non. La caille nous c'est nous pour faire la caille. Eh bien, dans dossier Cour suprême États-Unis, dans dossier dans décision qui prend et concernant et droit américain gagner pour porter armes, eh bien nous pral ouais ça en détail avec et, Mike and Love Glorgens Guerrier qui lui-même lissé responsable espace international. Bonsoir tout le monde, merci parce que vous connectez avec nous. C'est Mike and Love Glorgens Guerrier, Zami Paul, qui est présentateur rubrique ça espace international, un espace côté que nous analyser ça qui a passé sous scène internationale. Je dis à la rubrique là, nous allons parler d'une question qui lie ensemble avec Zam par rapport à des déclarations ou bien des décisions que la Cour suprême lui-même lui prend aux États-Unis et sous question ça, nous allons avoir chance pour que nous capable présenter ou et analyser ensemble avec vous pour capable de comprendre bien ça qui a passé aux États-Unis et sous question Zam. Mais bien avant que nous capable parler directement dans ça qui dans sujet, nous voulons prendre petit temps ça pour remercier ou même qui toujours connecté ensemble avec nous, mais également nous voulons commencer rubrique là pour nous capable présenter nous et deux parties qui gagnent aux États-Unis qui toujours gagnent en sorte d'affrontement et direct par rapport à des idées opposées sous question armes. Donc nous toujours t'entendre parler des partis républicains ensemble avec parti démocrate. Donc en 1854 parti républicain lui-même lié il était créé vraiment dans lutte contre l'esclavage et puis qui côté qu'il était utilisé lutte ça comme un cheval de bataille. Donc par inverse parti démocrate là lui-même qui créé en 1828 il était représenté vraiment sud esclavagiste après victoire Abraham Lincoln en 1860 et surtout et guerre de sécession 1861 à 1865 et ça après vinn bay républicain vraiment yon champ libre, yon assez de place côté que a dominé sous vie politique américaine nan pendant 70 ans. Démocrate yon même yon relevé tête yon vraiment à partir de victoire de Franklin Delano Roosevelt en 1933 et côté que yon te kembe Maison Blanche nan pendant 20 ans et pendant année 20e et pendant et dernière année ça surtout dans période 20e siècle. Donc yon vini vraiment yon parti droite civique et en particulièrement avec victoire de John Fitzgerald Kennedy en 1960. Donc bon côté par républicain même il glissé de plus en plus vers la droite
côté que victoire de Ronald Reagan li pral permettre que vinn gen révolution conservatrice qui fait et puis qui pral baser vraiment son désengagement de l'état gagné pour permettre que les capable remettre en cause quelques idées progressistes, par exemple sous question qui lien ça avec avortement, retour avec la peine de mort, prière à l'école, etc. Donc depuis ça, parti démocrate là lui-même il centre vraiment sur sous président Bill Clinton ensemble avec Barack Obama, tandis que parti républicain lui-même il continue à poursuivre les droitisations et Joe Biden un parti démocrate et Donald Trump sorti dans républicain bataille là lui-même il était toujours depuis longtemps serré entre deux partis ça mais parti démocrate là lui-même ils sont parti politique et qui opposé globalement ça dans système non contexte bipartite et avec parti républicain côté que des organisations politiques mondiales li gen plus passé 45 millions adhérents en 2020 et li aller vers idéologie libéralisme moderne et avec des factions comme le centrisme, populisme et gauche de gauche et social-démocratie. Donc fondateur c'est un Andrew Jackson, Martin Van Buren, c'est et Munzao qui était fondé parti ça. Mais parti républicain lui-même, li c'est un grand parti qui gagne aux États-Unis même genre qui fondé en 28 février 1854 plus précisément par des dissidents vraiment nordistes qui sorti et qui vraiment mettait parti ça camper pour opposer ensemble avec parti démocrate là surtout avec la loi de Kansas Nebraska qui était venu en expansion en période esclavage là côté que était venu gagner des revendications souverainistes qui est venu prendre dans plusieurs états dans sud aux États-Unis surtout en 1860 avec Abraham Lincoln qui était vraiment premier président républicain que États-Unis connaît. Il y a des fondateurs par exemple Alvin E. Bowie, il y a Horace Jenley, Abraham Lincoln, Edwin D. Morgan, Henry Jarvis Raymond et puis Amos Stokes et puis Francis Posternler. Donc idéologie et parti ça lui-même il marchait vraiment vers le conservatisme, il y a des fractions centrisme, libertarianisme et néo-conservatisme populiste de droite et droite chrétienne. Donc pour qui ça nous retourner là-dedans parce que à partir de ça, il y a un paquet de sujets qui toujours controversés par rapport à et position de parti ça a gagné non seulement sur question armement mais sur question et avortement, sur question liberté globalement sous question migration. Donc ça a posé problème. Jeudi 23 juin qui s'est passé là, c'était une journée décisionnelle côté que il y a une pile contradiction concernant du port d'armes qui gagne aux États-Unis. Mais bien avant, ben, permettre que je suis capable de rappeler nous que il y a plusieurs fusillades qui passent aux États-Unis pendant dernière année ça yo depuis pas mal de temps augmentation fusillade yo pas suspend répété aux États-Unis, fusillade au Texas par exemple, sous Donald Trump côté qualité, il était fait mon appel pour permettre que et citoyens eux-mêmes yo capable et armer tête yo pour yo capable combattre le mal qui gagne dans société américaine là côté Donald Trump lui-même il était fait un appel globalement pour chaque citoyen garder pour comment on capable défendre tête yo chercher gagner yon zam et suite ensemble avec fusillade qui était passé au Texas ça ça a lui-même li vinn compliqué débat yo non seulement ça gagne l'autre fusillade qui fait déjà surtout il t'a gagné trois monde qui t'est mouri non fusillade qui t'est faite à Philadelphie ça t'est posé en pile problème et t'a gagné yon monde qui t'est rentré dans l'hôpital et puis qui t'est tué et quatre autres monde avant que lui-même li vienne suicider tête li et sans oublier parler de et jeune ça lui-même qui t'est rentré dans l'école qui t'est tué plusieurs monde et ça lui-même il était venu vraiment et augmenter colère et contre et question armes aux États-Unis. Donc décision ça lui-même
te gen arrêt vraiment de cour suprême qui pas vraiment validé en loi pour permettre que état de New York li capable limiter vraiment le permis de port d'armes ensemble avec citoyens américains. Donc qui plus haut plus haute instance judiciaire qui gagne dans question ou bien aux États-Unis lui même il consacre vraiment un sous droit que pour permettre que capable porter des armes en public, il une décision contrairement au bon sens selon président Joe Biden et c'est vraiment honteuse en pleine prise de conscience nationale côté que il y a violence en lui-même il l'a valé terrain surtout violence que utilise ça et Joe Biden lui-même l'était critiqué décision ça selon gouverneur New York là il y a eu une prise de conscience qui t'a dû prendre pour permettre que capable mesurer et au cours de journée hein. Et c'est Sénat lui-même l'état doué et réussi à adopter un projet de loi pour garder comme capable lutter contre violence armée en première fois pour États-Unis parce que Cour suprême il prend une décision mais Sénat lui-même il a bien pour capable chita pour garder comment vraiment il capable prendre une décision finale ensemble avec question ça et ça fait en pile temps que Congrès américain lui-même li trouvé li paralysé à chaque fois yo pral aborder un sujet comme ça surtout sur question contrôle d'armes à feu et qui toujours compliqué et élu républicain même yo toujours refusé pour yo capable et réduit accès avec ZAM que citoyens américains même yo gagné mais et jeudi 23 juin 15 et parmi républicains ça même yo était vraiment écrasé rang côté que yo était gagné hein, pour permettre que capable dire voilà permis d'adoption avec yon large majorité et un texte pour qui visait pour permettre que capable renforcer vérification et moun qui gagne déjà et qui pral acheter zam moun qui gagne des antécédents pour garder est-ce que vraiment yo capable vendre zam donc son mesure de bon sens c'est ça et plusieurs moun fait déclarer projet de loi ça lui-même li son paquet de mesures de bon sens c'est ça qui estimé Mitch McConnell le chef de file le sénateur républicain lui-même li considéré comme un soutien globalement par la NRA qui c'est une puissance lobby des armes vraiment aux États-Unis li voté en faveur Texas côté que li dit que ça li pral rendre les États-Unis plus sûrs mais moins libres vraiment que lui-même li juge et son décision également qui salué par Joe Biden côté que li dit vote et sous Texas qui lui-même qui pral bay un regard vraiment et survivant avec et fusillade qui était passé surtout pour partisans qui lient ensemble avec contrôle d'armes à feu aux États-Unis qui a milité pas mal de temps pour regarder comment a adopté yon loi qui capable réduire quantité moun qui a gagné armes aux États-Unis également pour capable analyser et antécédents est-ce que moun ça lui-même vraiment li mérité pour que lui-même li capable porter armes pour armes pas tomber dans n'importe qui moun mais texte ça lui-même et Joe Biden lui-même dit salut lui il dit que c'est un nous agit vraiment et loi ça bipartisan lui-même il pral aider vraiment pour capable protéger les américains c'est ça que lui-même il estimé parce que vraiment États-Unis lui-même il trouvé une situation côté que vente d'armes eux-mêmes yo explosé depuis pas mal de temps après fusillade qui était faite dans l'école qui était passé au Texas côté que des plusieurs américains eux-mêmes qui craignent vraiment pour avoir une restriction d'armes et qu'on a là commencé et c'était un drame qui était passé vraiment côté que fusillade ça dans l'école là il était arrivé tué 21 moun et puis il y a 19 ti moun vraiment qui était mort jeune et l'homme yo dans fusillade ça et ça te vinn mettre la peur vraiment bon côté américain donc décision ça côté texte de loi et sénat américain lui-même
li adopté a li c'est en base légale qui pourra le permettre que capable gagner ou bien chaque état capable continuer regarder comment capable avancer sur question ça pour capable porter des solutions ensemble avec fusillade qui pas suspendre fait aux États-Unis. Nous même nous était là, nous on suivre qui ça pourra le bail. Est-ce que Joe Biden vraiment arrivé une unification totale de tout état républicain ensemble avec démocrate pour permettre que capable et mener lutte ça face avec ennemi interne ça yo qui lié ensemble avec question terrorisme qui lié ensemble avec question fusillade là pour yo capable jouer un résultat total pour tout peuple américain ou bien pour tout monde qui a vivre aux États-Unis capable vivre sans qu'elle saute. Est-ce qu'il y a vraiment une solution à long terme? Nous pas connaît, mais nous était là, nous à suivre, et c'est ça que nous même nous devons partager ensemble avec vous. Merci parce que vous avez accepté de connecter ensemble avec nous. C'est des amours Mac and Love Gloire Gens Guerrier qui était là ensemble avec vous. Bon rendez-vous une autre fois encore pour une autre rubrique. Bye bye, à la prochaine. Mes amis, attendez ça, ou c'est haïtien ou remet pays, et puis on agit. Désespoir, de machination politique et les non-dits. Mon éditorial, mon dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick là, même voix.